Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo complètement informative. Je vais essayer de vous mettre des jolies images par-dessus pour que ce soit agréable à regarder. Mais il y a beaucoup de choses à dire parce que ces prochaines semaines, il y a énormément d'activités concernant Star Citizen et j'étais obligé de faire une vidéo pour vous en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. À l'heure où cette vidéo sort, c'est-à-dire vendredi 22 novembre au soir, demain aura lieu la CitizenCon 2949, ou 2019 si vous préférez. Il s'agit donc de l'événement annuel de Star Citizen, c'est donc le moment important de l'année où il y a toutes les grosses informations concernant le jeu et son avenir. Donc il y a pas mal de choses à dire, et évidemment les prochaines semaines il y aura également plusieurs choses en rapport avec ça qui vont suivre. On va faire le point tout de suite. Donc pour commencer, l'event aura lieu de 14h à 22h30 heure de Paris. Il sera diffusé en live, en direct, sur Twitch, sur la chaîne de Star Citizen en anglais. Et moi je vous conseille d'aller sur la chaîne de Zvonimir TV, que je vous mets en description encore une fois, pour profiter de la trad live de Ghostslayer qui est incroyable, qui sera du coup en direct live toute la journée également pour diffuser et traduire soi. Il y a également Hugo Lisoire qui a fait le déplacement à Manchester et qui pourra vous faire profiter de l'ambiance sur place entre deux traductions. Je vous mets évidemment les deux liens Twitch dans la description. Au programme, il y a pas mal de choses qui sont prévues, évidemment on ne sait pas tout. On va avoir des nouvelles de Microtech, de la nouvelle technologie planétaire qui va arriver en 3.8. On va aussi certainement avoir des nouvelles des technologies des serveurs, qui pour l'instant sont vraiment très très importants dans le développement de Star Citizen, puisque c'est vraiment la grosse étape actuelle. Ça va parler également du futur Star Citizen, on va certainement avoir des nouvelles de Squadron 42 également. L'événement sera clôturé par une intervention de Chris Roberts en personne, qui durera 1h30, de 21h à 22h30. Il y a également juste avant, à 20h, une conférence tenue par Tony Zurovec, qui est un membre très important du développement de Star Citizen. Donc on risque d'avoir beaucoup de grosses informations sur la fin de l'event, ça va être très intéressant. Évidemment là, je ne fais que survoler le programme, je vous mets le lien en description pour savoir exactement ce qui va se passer durant toute la journée. De mon côté, vu que je ne parle pas anglais, évidemment, je vais comme tout le monde profiter de la trad live sur la chaîne de Zvonimir, je ne pourrai pas faire de trad live moi-même. Ceci dit, dimanche après-midi, donc le dimanche 24, je vais faire un stream où on pourra débriefer toutes les infos qu'on a eues durant les conférences de la veille. Ça va être très intéressant, n'hésitez pas à venir, ça va être très cool, on aura plein de nouveautés à débattre, donc venez absolument. J'ai pas encore défini d'heure, ce sera dans l'après-midi, voilà, évidemment si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur Twitch, vous ne pourrez pas louper les notifications de live. Deuxième point important, la vente anniversaire qui commencera juste après la CitizenCon et qui est couplée avec l'Expo Intergalactique Aerospace, et du coup comme son nom indique, une exposition de vaisseaux en jeu sur ARA18, sur ArcCorp. Il y aura en tout plus d'une centaine de vaisseaux exposés cette année durant les différents jours de l'exposition. Tous les jours, il y a une marque qui est mise à l'honneur, avec donc les vaisseaux de la dite marque qui sont disponibles à la vente sur le site RSI, qui sont disponibles également en exposition sur le jeu. Les vaisseaux mis en vente sur le site RSI sont disponibles jusqu'à la fin de l'event, donc si jamais vous loupez une journée, vous pourrez toujours profiter à la fin de l'event d'acheter tous les vaisseaux, puisqu'à la fin, le dernier jour de l'event, tous les vaisseaux qui n'ont pas été exposés, qui n'ont pas été mis en avant durant l'événement anniversaire, sont mis à la vente, donc il reste, voilà, à la fin de l'event, pendant une semaine environ, tous les vaisseaux sont disponibles à l'achat sur le site RSI. Alors attention, hein, pour rappel, vous pouvez toujours jouer à Star Citizen avec un starter pack de base, vous ne serez pas pénalisé en jeu, etc. Mais on me demande souvent quand est-ce qu'on peut acheter ces vaisseaux, pourquoi on ne peut pas les acheter tout le temps en permanence, etc. C'est parce que simplement, c'est des ventes la plupart exclusives et elles sont disponibles qu'une fois dans l'année, c'est-à-dire cette semaine-là. Il y aura également, durant cet event, 2-3 trucs en plus, à commencer par le Pisces, un nouveau vaisseau, le Subfighter du Kerak. Il sera disponible directement en Flight Ready en jeu. Vous pourrez, j'imagine évidemment, l'acheter sur le site, mais vous pourrez également le tester gratuitement durant toute la période de l'événement. À première vue, il va s'agir d'un vaisseau biplace ou avec 3 places, suivant la variante, je suis pas tout à fait sûr. Ce sera un vaisseau plutôt de transport et éventuellement un peu d'exploration. Je sais pas encore trop ce qu'il va valoir, on a juste une image du vaisseau et deux trois informations par-ci par-là. On en saura plus très très vite. Il y aura peut-être un deuxième vaisseau Flight Ready, mais on ne sait pas, peut-être pas d'ailleurs, on n'a aucune information par rapport à ça. A noter que cette année, la marque vedette de cet événement, et chaque année il y a une marque différente, cette année c'est Anvil. Anvil, ils ont le Kerak et ils ont justement ce futur Pisces, qui est un vaisseau de chez eux, et qui du coup sera la première marque à dévoiler ces vaisseaux
le premier jour de l'anniversaire, c'est-à-dire le 24 novembre. On aura également durant cette semaine plusieurs nouveaux concepts de vaisseaux dévoilés, très certainement. Hein. Un deuxième vaisseau mis en vente en flight ready, peut-être. L'année passée, on en a eu deux. Cette année, est-ce qu'on en aura deux de nouveau? On croise les doigts, personnellement, j'espère beaucoup, mais on verra, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, le Pisces, c'est sûr. Le deuxième, on ne sait pas, on n'a pas d'infos. Dernier petit leak que j'ai eu et que je peux vous communiquer sans trop de risques, vous vous rappelez peut-être, au mois d'octobre, il y a eu un concours, un vote, où la communauté a pu voter pour son vaisseau préféré. Il y a eu 4 gagnants, hein, le Caterpillar, le Cutlass Black, le Reclaimer et le Hammerhead. Dans les leaks, on a repéré qu'il y a des skins pour ces 4 vaisseaux qui vont arriver prochainement. On pense que ça va certainement arriver pour cet événement anniversaire, donc peut-être qu'il y aura des skins spéciaux pour ces vaisseaux disponibles durant cette période, et éventuellement également un skin d'Ursa Rouge, qui on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce que ça va être, ni pourquoi. Il est également dans les fichiers leaks, peut-être qu'il sera jamais là, mais potentiellement on risque d'avoir un Ursa Rouge disponible d'ici pas longtemps. Dernière chose, évidemment, très importante, si vous ne possédez pas Star Citizen, il y aura des réductions sur les Starter Packs durant tout cet événement, que ce soit du début jusqu'à la fin des ventes concept, des ventes anniversaire, donc normalement c'est 10€ de réduction sur les starter packs. En plus de ça, à partir du 24 novembre jusqu'au 5 décembre, vous pourrez tester gratuitement Star Citizen. Vous allez pouvoir tester beaucoup de vaisseaux qui sont mis à disposition durant l'exposition. Vous pourrez les louer gratuitement en jeu, et donc vous allez pouvoir tester non seulement le jeu, mais en plus de ça, plein de vaisseaux. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait de compte sur le site RSI, utilisez mon code de parrainage pour bénéficier de 5000 AUEC en plus quand vous commencez le jeu. Il faut le faire à la création de compte et pas à l'achat du jeu, attention, si jamais je vous mets le lien en description. Dernière annonce et pas des moindres, je pense la plus importante, celle pour laquelle je voulais faire cette vidéo à la base, le Bar Citizen que j'organise pour les 2 ans de ma chaîne. Donc je voulais juste marquer le coup et surtout profiter de cette occasion pour compenser l'absence de Paris Vert cette année, pour faire un événement IRL à Paris. Donc du coup, le Bar Citizen aura lieu le 28 novembre de 17h à 2h du matin à Paris au Player One Bar, lien du bar en description pour trouver l'adresse. En direct sur Twitch de 20h à 23h, il y aura donc un live un peu décontracté, on mettra une caméra, un micro sur une table, on fera probablement tourner les invités, ça va être sympa, je sais pas encore ce qu'on va faire, on va pas mal improviser comme d'habitude, ça va être chouette. N'hésitez pas à passer sur Twitch pour ne pas rater cet événement. Donc pour rappel, le 28 novembre de 20h à 23h, il y aura également quelques petits bonus sur le live pour vous, je vous en dis pas plus. L'entrée IRL pour venir au bar est évidemment gratuite et sans réservation. Il y aura quelques potos comme Hugo Lizoire, Tony, Kane Universe, il y en aura quelques autres également, je vous dis pas trop, vous aurez la surprise évidemment. Il y a également les membres de la Thunderbird Space Crew, donc qui sont mon groupe, on va dire, de potes avec qui on joue tout le temps. La plupart des pilotes que vous voyez sur mes vidéos de pilotage, bah, sont des gens de la Thunderbird, donc c'est des gens avec qui je joue beaucoup, je m'entends très bien et je suis très content parce que ça va être l'occasion de les voir. Et si vous voulez venir nous rencontrer, évidemment, ce sera l'occasion. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. De mon côté, sur la chaîne YouTube, évidemment, avec toute cette activité, je vais avoir de la peine à sortir une vidéo avant un petit moment. Cette semaine, j'ai pas pu assez avancer pour sortir la prochaine vidéo que j'ai envie de vous sortir, le dernier best-of, qui d'ailleurs a eu de bons retours, m'a pris beaucoup de temps à faire, parce que forcément, plus j'augmente la qualité de mes best-of, plus ça me prend du temps. Et le prochain risque de prendre un peu de temps aussi à venir, les prochaines vidéos hors best-of également, sachant que semaine prochaine, donc je suis à Paris, il va falloir que je rentre, que je fasse tout ça, et que je publie le temps que tout ça se fasse. Il risque d'y avoir une semaine ou deux sans vidéos sur la chaîne YouTube, donc pas de panique, rejoignez les réseaux sociaux si vous voulez avoir des nouvelles. Évidemment, il y aura du live à gogo durant toute cette période, la fin de l'année, etc. J'ai plein d'envie, suivant les nouveautés qu'on va avoir. En plus de ça, j'ai envie de faire des events en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas à venir en live. Bref, j'ai fait le tour. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne CitizenCon. On se retrouve ce soir sur Twitch. Je vais faire un petit stream détente en attendant demain le jour J. On se retrouve également demain sur les différents chats des différents streamers qui présentent l'événement. Et évidemment, on se retrouve dimanche pour le débrief de la CitizenCon. Et pour finir, également le 28 novembre pour les 2 ans de la chaîne au Player One Bar de Paris. Bref, des bisous, à tout bientôt, c'était Terrada, ciao.